j'ai une carte professeur chef. Je relise la carte parce qu'il me semble que c'est défausse toutes les cartes. Défaussez-vous de votre main, piochez cette carte. Vu les cartes que j'ai, je vais donc attacher une énergie. Mais je vais attacher Armius. Maintenant, je vais utiliser le professeur Chen parce que j'ai besoin de magnéton, guérison et énergie. Il faut l'énergie veut pour me servir, mais j'ai rien d'autre. Au moins, je récupère cette carte. Voilà. Donc, je pioche cette carte. C'est une carte qui est assez pratique. Voilà, je peux regarder ma nouvelle main. Draco feu maintenant, ça va. But bizarre. Voilà, j'ai un but bizarre sur le banc. J'ai tout de même des énergies, j'ai une recherche informatique. Si je fais la bêtise, il faut deux des cartes de ma main pour chercher n'importe quelle carte dans le deck. Donc, vous voyez, hein, on fait n'importe quoi. Ah, une potion, ça c'est intéressant. La potion, si je la joue sur Kaminos. Je préfère la garder pour le moment et on verra après. Merci, une passion. L'attaque échoue, ok. Tant pis. Moi j'ai de sable, hein, je commence à connaître, c'est bon, c'est pas la peine de contre à chaque fois. Je crois qu'il a que ça comme attaque, donc c'est bien. Je pioche Léo. Bah, je vais l'utiliser, ça me permet de piocher deux cartes. Bon, en privé, je pioche la mèche et je pioche ma choc. Regardez, merde, j'ai déjà 3 Pokémon sur le banc, lui en a 2. Il y a 2 sablettes et un mosso. Très peu de Pokémon avec de la vie. Alors, mon Pokémon, non, c'est pas. Donc, faut que je regarde ma main. Donc, j'ai 5 mèches, mon choc. Je vais attendre ma. Donc je le tue. En espérant qu'il joue pas au slay. Dans ce cas-là, donc, je tire une carte récompense. Je crois que je la garde dans les mains. J'ai chopé donc Magnesi. Voilà, c'est mes cartes que je mets en récompense chez lui. Lui met ses cartes en récompense chez moi. Mais ça doit être ça. Voilà. Donc il a mis un autre. Donc, très bien. Donc il utilise les jets de sol. Donc c'est mon tour. J'ai pioché donc. Je vais pas regarder. Un air bizarre. Tiens, c'est intéressant ça. Jouer. Sur le bizarre. Voilà, donc j'ai un air bizarre. Je peux mettre les énergies sur mes Pokémon. C'est bon. Il va falloir que je retourne dans mon air de jeu. C'est des énergies plantes. De toute façon, on peut pas attaquer sans énergie plante. Et c'est une énergie quelconque. Donc, si il me reste de place, je vais jouer non, ça la mèche. Et je vais mettre toute ma main d'énergie électrique sur Mews. Ça au moins, je joue Mews. Je vais mettre aussi de ma main une potion sur Kaminos pour récupérer 20 points de vie. Voilà, comme ça, moi je me laisse 3 tours. Bon, j'ai de ça. Et je l'attaque quand même. Rapide hein, comme match. Si je gagne, normalement je récupère des cartes. Ah, Sablero, ça c'est intéressant ça. C'est là pour le coup, tranche, on a des dégâts. Ah, intéressant. Piocher une énergie plante, c'est pas bien ça. Énergie plante. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette carte recherche informatique. Je vais donc choisir deux cartes à défausser. Donc, je vais défausser une énergie électrique. Choisir Magnesi. Choisir. Et donc là, je choisis la carte que je veux. Je ne sais pas si vous en doutez. Je vais récupérer. Si je trouve. Non, ça paraît pas logique ça que j'ai des reptincelles. J'ai pas de reptincelles. Bon,
sera Arcana. Ouais, Arcana. 100 points de vie. Lié, des fois c'est une carte d'énergie. Et ça s'en fiche 30 dégâts. Ouais, c'est pas Arcana. Ah, c'est pas du tout ça que je pensais faire en fait. Je pensais récupérer un raid pincère. Pouvoir le jouer. Ce Machoc, du coup je suis presque déçu. Ou alors je récupère Kadabra. Kadabra ça peut être une bonne technique, c'est une carte énergie compliquée du coup, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ici j'ai pas de reptin, c'est un but. Hop, là je fais de ma main, Arcane. Vérifier mon deck après, hein, parce que... Attendez, non, j'ai gardé ma choc, j'ai... Pourquoi j'ai pas pris ma choc? Voilà. La boulette. Je jouais. Bon, je regarde dans mon air de jeu. C'est la flèche. Et c'est griffe. J'en ai pas un petit peu à rien. J'ai une énergie pour t'attacher. Si on lui en rajoute deux, c'est bon. Si tu peux faire jouer mieux, ça fait... Rajouter des énergies, son énergie feu, son sueur bizarre. Ah. Je peux toujours pas attaquer, en fait je vais juste devoir attendre. Ok, petit strange, ça m'embête. Du coup là je pensais que ce serait plus facile que ça, mais en définitive ça n'est pas du tout. Il faut deux énergies feu obligatoires. C'est un peu dommage de devoir attendre comme ça. Non mais attendez, il manque des énergies. Donc je vais passer donc Air bizarre. Je suis une carte, on passe à la mèche. Non, donc j'ai une énergie psy. Donc non, je vais jouer une énergie psy sur Air bizarre. Donc, là, je crois que c'est ça la faiblesse. Voilà. Bon, je tire récompense. Reptincelle, ouais. Ça se trouve, bah oui, voilà, je suis con. Reptincelle, si j'ai dedans, oui, c'est sûr, je peux pas l'avoir. Ça se trouve, il y en a deux dedans. Ouais. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ouais, ça peut devenir très intéressant. Ah, ouais. Je sais plus qu'on est sur l'attaque oscillée pendant le prochain tour. L'adversaire, les dégâts infligés par l'attaque sont réduits de 20 après application de la complète de résistance. Moi je n'y perds rien, donc je récupère l'énergie électrique de ma main. Je fais évoluer ça la mèche. L'attaque normale. Et Draco Feu, lui, il y a trop de feu, je crois. Que de soutenance là, même du feu. Ah, ça attend. Choc, je vais le mettre sur le banc aussi. Voilà, je vais le faire avec Folie. Je laisse 840 points de dégâts parce que c'est ça qui me laisse. Voilà, j'ai donné l'énergie feu. Donc j'ai tiré toutes les récompenses, donc ben j'ai gagné. Donc vous allez voir ce que je gagne. Oh non, j'ai perdu. Tiens, attrape. Action, ça a reçu le booster pack évolution. Regarde les cartes booster pack. Pyroli, Fluide Pokémon, Spectrum, Ossature, Caillou, Staros, Osselet, Aspico, Rondoudou, Energy Combat. Voilà, donc en fait j'ai gagné 10 cartes à rajouter en plus sur ma...
choisissez une carte Pokémon de base dans la pile de défausse de votre adversaire et placez-la sur son banc. C'est quoi l'intérêt? Ça, je vois pas l'intérêt. On a maintenant un Spectrum. Satueur, caillou. Bon, 10 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Lancez une pièce jusqu'à ce que ce soit pile. Cette attaque inflige 10 dégâts multipliés par le nombre de faces. Ah, c'est intéressant ça. C'est pas mal. Mais bon. Ça va pas trop avec ce que j'ai. Et le booster pack évolution. Donc je regarde, j'ai gagné 2 booster packs. Donc Pyroli, Lipoutou, Carabaf. Doudou, Golem, Racaillou, Rafale de vent. Je laisse un Pokémon du monde, votre adversaire, changez-le avec son Pokémon actif. Ça c'est pas mal ça. C'est pas mal, pas mal. C'est pas mon jour de chance. Donc, nous allons donc modifier légèrement le deck. Modifier le deck, puisque nous avons deux nouvelles attaques. Enfin, deux nouvelles attaques. Deux nouvelles choses. On va pouvoir les rajouter. On a pile d'attaque, on se fait un Pyrolyse, voilà, puisque l'évolution d'évolution. Est-ce que j'ai vu évoluer? Je n'ai pas vu évoluer. Mettre des énergies combat puisque je vais plutôt jouer avec ça. Tout ce qui est énergie courante. Je vais donc enlever Bulle Bizarre. Je vais faire Bizarre, ça va varier. Donc il reste 3 cartes à ajouter. Donc là, il y a 2 Pyroli mais je peux pas les mettre. J'ai plein de Pokémon haut mais ça m'intéresse pas. Pikachu, Raichu, Magnétic, intérêt. Et alors, il y a plein des petits nouveaux du coup. Alors, est-ce que ça doit être au gros lème? Avalanche et destruction. Avalanche? Un peu spécial pour. Ouais, mais attendez, j'ai pas grave avalanche. Ouais, pour ça, il y a des fois, il y a des petits trucs comme ça. Il vous en manque un par-ci, il vous en manque un par-là. Dommage, c'est dommage. Par contre, là, je vais mettre un contenu sans Spectrum. Parce que j'ai jamais. Ouais, je suis un grand fan de Spectrum en fait. Le vrai, pas la carte. Bon, ils ont pas des attaques extraordinaires, mais ça peut être pratique quand même. Voilà, il manque 2 cartes. Je sais pas garder champ d'amitié. Lance une pièce, s'efface, place une carte Pokémon de base. Choisis le hasard dans votre deck sur votre banc. Ok, expansion. Toutes les dégâts infligés à rendez-vous pour le prochain tour de votre adversaire sont à niveau 10. Bon, ça n'a rien d'intéressant. Hein. Rajouter un peu. Attends, une énergie d'éclosion en terre. Et puis bah, une énergie qui va me servir. Je vais remettre une énergie de planter. Sauvegarder. Voilà. Et voilà. Donc on va s'attaquer à l'autre qui est juste ici. Ma musique préférée c'est le hard rock. Black pourri, black merde. Ça rock. Tout dans lequel on deux fois différemment. Tu veux défier mon deck Pokémon de roche? Souhaitez-vous défier André? Il m'avait pété la première fois que je jouais contre lui. Merci, on rock en 4 et contre le cercle. Membre cercle roche André, deck Pokémon Torika. Lui il m'avait battu. Lui c'est en 4 cartes récompenses. Et non pas. Ah, y'a pas de. Et pas pour piocher. C'est 4 et non 3 pour les cartes récompenses contre lui. Ça va durer un peu plus longtemps. Salamèche et Kalinos. Salamèche, Kalinos. Salamèche peut battre sans énergie feu. Kalinos ne peut pas. Donc le choix est vite fait. Vous avez Salamèche dans l'arène. Et vous avez Kalinos sur le banc. Nous avons notre petit Salamèche. Allez, par contre, 4 récompenses. 4 cartes récompenses, donc là beaucoup plus de cartes récompenses. Moi c'est bien. Pioche un bras, ok.
ça. Et donc maintenant, d'accord, il a un Lipoutou comme ça, normal. On va griffe. Parce que je ne peux pas grand chose, donc ce sera une petite épreuve des. Pioche une carte. Réussi, il est où? Donc sur pioche 2 cartes. Et un Onyx sur le banc. Et il met une énergie psy. Et du Distorium. Entre ces deux pièces, c'est avec un fait des dégâts multipliés par le nombre de faces. Une face. Deux faces. Bon, il fait 20 dégâts. Mettons. Admettons. C'est mon tour. Cadabra. Alors là, ça va être intéressant. Ouais, donc, ah bah. Ouais, est-ce que j'ai des. J'ai pas d'énergie psy. Ouais. Cadabra qui joue. Ouais, super psy, c'est avec une autre énergie. Le truc. Énergie combat. Jouer. Énergie combat sur un pas. Donc je vais utiliser attaque griffe. Je fais 10 de dégâts aussi. Une énergie feu, un rhinocorne et une petite storm. Ah, quand même. Dégâts déjà. Je commence à faire pas mal. Piocher une carte. Guérison totale. Ça m'intéresse pas. Mais pas du tout. Je peux encore bien faire. Mon cadavre à jouer sur un bas. Voilà. Juste une évolution. Nous allons nous passer. Une griffe encore. Je peux rien faire. Une guérison des énergies. C'est la fête. Ah, mon petit point de dégâts. Ça tourne en vrai. Réussi, donc j'ai quand même 10 de dégâts et il me reste pas du tout, du tout. Je pioche une potion au coup du bol, ça va me servir. Voilà, je récupère un point de vie et je rebalance mon truc. Je l'aurai à l'usure, je m'en fous, je l'aurai à l'usure. Ou alors il m'aura, donc c'est pas encore. Raté, double raté, double fail, c'est une tacade, 0 points. Ah, magnifique ça, énergie feu. Jouer sur sa mèche. Par contre, il me semble que si je dis pas de bêtises, l'attaque flamèche détruit. Voilà, énergie feu au moment de son utilisation. Au moment où je tue. Lipoutou est amitié où je tue une récompense. Donc, une énergie de combat qui est un Onyx. Par contre, là, du coup, je suis en faiblesse par rapport à son Onyx. Ce professeur Chen aussi récupère cette carte. Il place un autre Onyx sur le banc. Il met une énergie combat Onyx. Et j'ai Pierre qui me fait des dégâts, mais moi j'ai c'est multiplié parce que c'est ma faiblesse. Non, c'est pas ma faiblesse. Ça paraît bizarre, mais bon, mais non, c'est pas ma faiblesse. J'y crois pas trop. Donc je vais garder mon air de jeu. Kalinos, il faut une énergie feu. Cadabra, il lui faut du psy. Je crois qu'il jouera pas Cadabra. J'aurai du mal à avoir des énergies psy. Ok, bah, je peux rien faire pour le moment, donc ce sera une bonne attaque griffe. Et si je récupère pas une autre énergie feu, bah, je pourrais pas jouer ou alors une évolution, je sais pas. Dégâts, ça sert à rien. Donc, autant attendre que ce soit qu'il se fasse tuer puisqu'il a plus beaucoup de points de vie. Je vous le rappelle. Et donc utiliser Kalinos pour le tuer. Voilà, il m'a mis KO, il récupère une récompense. Je choisis un Pokémon pour moi. Je mets donc Kalinos. Je pioche une carte, une énergie électrique. Et bah, je vais en mettre une énergie électrique justement sur Kalinos. Ensuite avec intimidation. Voilà. Un point de dégâts et c'est son tour. Donc j'utilise Léo, il pioche 2 cartes supplémentaires. Chili, Rhinocorne, Rhino Féroce. Il utilise aussi Pierre. Normalement du coup je prends pas plus de dégâts, je prends Miss aussi. Voilà.
je récupère une énergie électrique. Donc je le réattaque. A mon avis, je vais taper Rhino Féroce pour le prochain tour. Il y a de très fortes chances. Ils ont encore un flash de pierre. Je prends encore 10 de dégâts. Je vais repiocher une carte. Ma chopper. Tiens, bon, j'ai une évolution, c'est tout. Le problème, c'est que bah, j'ai pas grand chose d'autre quoi. Mais sans ma choc, bah, je peux pas. Ce sera intimidation encore une fois. Non, bon, en fait, il manque vraiment là, des Pokémon. De... Enfin, j'ai beaucoup d'énergie, mais pas assez de Pokémon. Là, on est sur le point. Double énergie, incolore à Pichaponita. Alors, ça, c'est une énergie qui est double, elle est super bien. En gros, c'est une double énergie. Elle compte pour 2, mais 2 incolores. Donc, en fait, ça peut être 2 n'importe quoi. Elle remplace vraiment tout. Donc, je suis une énergie plante. Ça n'aide pas du tout d'avoir une énergie plante. Intimidation, voilà, il est mort. Là, c'est pas le problème. J'espère tirer une bonne récompense. On va tirer celle-là. Magnéti, ouais.